Allez, c'est parti. Et en voiture, Simone. C'est le nom de cette balade de 2 heures préparée par Marie Lambay au volant de son combi Volkswagen des années 70. Pour la fête des pères, elle emmène cette famille découvrir les mystères du Poitou. Pour moi, c'est une sacrée surprise parce que moi, j'étais au courant de rien du tout. Moi, je me suis bien douté qu'il y a quelque chose qui se tramait. C'est extrêmement sympathique. C'est un moment partagé en famille, qui plus est le jour de la fête des pères. Donc, tout était organisé pour ça, évidemment. Et puis, c'est la découverte, effectivement, de la belle campagne du Poitou. Faire découvrir le patrimoine poitevin hors des sentiers battus, c'est justement l'idée de Marie qui a voulu concilier passion pour la culture locale et celle pour les véhicules anciens. Le combi Volkswagen, c'est vraiment le partage. On prend le temps et de la route et de vivre les choses ensemble et de découvrir. On est là pour prendre le temps. Franchement, les gens se laissent guider. Le long de la route, des trésors d'architecture, comme ce moulin du XVIIe siècle, à la toiture tournante en fonction du vent, ou encore ce château du XVe siècle transformé en gîte aujourd'hui. J'ai envie d'amener les gens aussi à découvrir ce qu'ils ont autour d'eux et de s'y intéresser. Là, vous avez le château, mais derrière, vous avez un lavoir. Et c'est reparti pour la prochaine destination. Rencontre avec le Baudet du Poitou. L'occasion pour cette famille de redécouvrir la région qu'ils habitent. On ne prend jamais le temps de faire des choses comme ça et de découvrir cette belle région. Et puis de finir avec ces ânes, c'était super sympa. Marie propose 4 itinéraires thématiques à bord de son combi pour sillonner le Poitou par les petites routes.